s'intéresse aux problèmes environnementaux et d'ailleurs, c'est plus précisément à la surveillance, ce qu'on appelle biosurveillance de l'environnement, au niveau littoral ou bien au niveau de certaines zones humides, comme la zone humide de Bni Bilaid par exemple. Des projets dans ce sens ont été réalisés. Même, je peux citer le projet avec le ministère de l'Environnement. Il y a un projet qui a été donc réalisé réalisé par notre laboratoire, le laboratoire de pharmacologie et phytochimie. Et dans ce cas, je pense qu'il est nécessaire de continuer de travailler et de proposer ce type de projet, et surtout pour au moins préserver cette région de toutes sortes de pollution et garder un environnement propre.